Roland Sanou est un jeune joueur, je dirais un international burkinabé, un milieu de terrain défensif, âgé de 2002, il joue à Royal FC en première division. Bon, je dirais le joueur qui m'a beaucoup inspiré par rapport au style de jeu. Je prends l'exemple de N'Golo Kanté. Vraiment, il m'inspire. Surtout, quand je le vois jouer, vraiment, je suis content. Je suis content. Donc, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, on dit que Roland a renouvelé avec les Wild FC. Oui, c'est vrai. Mais. Il y a beaucoup qui m'ont appelé par rapport au renouvellement de ce contrat. Il y a des gens même qui ont souhaité que pourquoi je ne suis pas sorti aller ailleurs. Mais je me suis dit qu'en étant en Royal, la stabilité que j'ai, bon, c'est un avantage pour moi. Donc, et des fois, c'est mieux de rester là où tu es connu. Et puis, l'objectif de ce contrat, ce n'est pas un contrat pour me bloquer ici dans les Faso Foot en voulant partir ailleurs. Que l'équipe ne sera pas d'accord ou le président va me bloquer. Non, c'est pas ça. C'est juste, c'est un contrat au cas où j'ai une opportunité en extérieur, j'ai un contrat. C'est juste pour que l'équipe gagne aussi. Ils se sont dit que le gain de l'équipe par rapport au contrat, ça dépend également de la durée du contrat avec le club. Donc, j'ai juste renouvelé en cas d'un transfert pour que l'équipe aussi bénéficie quelque chose. Ouais, j'étais avec les étalons U20 également, à l'UFOAB au Bénin. Je me dis que bon, c'est une compétition qui m'a ouvert les yeux. Hein. M'a ouvert les yeux, ça m'a donné de l'expérience. C'était. En fait, je reconnais aussi que ça a été un travail abattu avant d'arriver là-bas. Car accompagné de la chance aussi également. Puisque il y a beaucoup de joueurs qui ont le même âge que moi, mais n'ont pas eu la chance de participer à ce tournoi. Donc je reconnais également. Et ça, c'est une grâce. Hein, c'est une grâce. Et également de l'autre côté, avec les. U20 toujours en Mauritanie. Vraiment, c'était super pour moi. C'est des moments inoubliables. Et puis, je me dis que c'est un début pour le moment. C'est un début. C'est juste une base fondée. L'année passée, c'était pas simple avec le Royal FC, puisque au début, on était carrément derrière le tableau, en bas du tableau. Il n'était pas simple pour nous également. Donc, je me suis dit, au mercato, vers les phases retour, on s'est racheté. On s'est racheté. Mais au début, je ne peux pas dire que il n'y avait pas les armes nécessaires. Il y avait les armes nécessaires. Bon, d'un côté aussi, c'est le football. Peut-être je peux dire, c'est psychologiquement que les joueurs n'étaient pas prêts. Ou il y avait d'autres choses sinon. Ils ont changé l'entraîneur, il est venu, mais c'était les mêmes éléments. Il a travaillé avec les mêmes éléments, il a maintenu le cap. Et voilà, on s'est maintenu avant la dernière journée. Donc je me dis que peut-être d'un côté, c'était psychologiquement pour préparer l'équipe et mettre quelque chose en place encore, en plus de ce qui était là. C'est juste ça. Bon, sûrement, nos points forts, je peux dire que Il y avait l'ambiance également dans le groupe. On se comprenait, même en dehors du terrain,
Avec ça, ça aussi, c'était une force pour nous. Avec l'entente entre les joueurs et les bureaux, et l'encadrement aussi et les bureaux, entre l'encadrement et les joueurs également. Donc je me dis que là où il y a l'entente, le travail s'avance à tout moment. Là-bas aussi. Je dirais que le travail même a commencé dès longtemps également. Il y a les objectifs personnels qui sont là, les objectifs des clubs également sont là. Donc, je me dis personnellement, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même afin d'obtenir quelque chose de plus. Et ce qui a été fait déjà, obtenir quelque chose de plus encore et pour pouvoir, je ne sais pas comment dire, pouvoir accomplir également l'objectif que je me suis fixé. Donc je suis prêt en tout cas. Bon, également, je les encourage. J'encourage les jeunes qui sont dans le début aussi, comme je le suis. Puisque je n'ai rien fait actuellement pour le moment, ce n'est qu'un début. Celui qui veut ressembler à Roland, en tout cas, moi personnellement, les gens me connaissent, je suis timide. La folie des grandeurs, je n'aime pas ça. Donc, juste le travail, rester dans la prière et surtout éviter les discours. Je me dis que pour un footballeur, les discours de gauche à droite, ce n'est pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. Voilà. Bon, ouais, et il s'agit de Abdulaziz Traoré qui est parti à Sonabel. Il a signé. Il a tout dernièrement même il a joué son premier match à la finale de la Coupe AGSB. Je me dis que bon, la signature de ce gars à Sonabel. C'est bon en tout cas. Ici, nous sommes des joueurs, nous sommes tous des joueurs, mais je ne connais pas lui personnellement son objectif. Mais je me dis que bon, il a bien fait aussi, il a bien fait d'aller, de changer l'air aussi pour aller voir ce qui c'est comment là-bas. Donc, la raison aussi. En tout cas, moi, je ne fais que le souhaiter bonne chance également. C'est juste ça. Pour clos, je remercie également les Sports Channel pour cette initiative, l'opportunité que vous m'avez donnée ce soir de m'exprimer devant vous et également de prodiger ces conseils à ces jeunes qui sont dans le début. Et je remercie également M. Oscar Barreau qui est mon entraîneur de l'équipe nationale. Il m'a toujours aidé, il m'a toujours conseillé, même en dehors du terrain. Il me conseille, quel qu'en soit, là où je le croise, il me donne des conseils de Roland. Reste calme, reste en bas et un jour tu verras, Dieu va t'élever. Donc je le remercie grandement. Si vraiment ça me va droit au cœur, de participer également à cette émission. Également, monsieur Dissa Kassoum, qui a été mon premier entraîneur depuis le bas âge, vraiment, ça me va droit au cœur de lui adresser ce soir un mot. Car c'est chez lui, j'ai tout appris. Hein, quand on parle de Roland aujourd'hui, c'est grâce à Dissa Kassoum. Donc, il faut être reconnaissant à tout moment, quel qu'en soit. Je remercie également l'ensemble de Royal FC, étant et tel que le président, le secrétaire, etc. et l'encadrement technique aussi. Vraiment, je suis très content d'eux. Puisque tout ce que les gens voient en Roland aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si tu n'étais pas à Royal, est-ce qu'on allait parler de Roland et de Royal aujourd'hui? Donc je me dis que c'est grâce à Royal. Donc j'ai le droit de les remercier. Donc vraiment, les mots me manquent pour les remercier. Bonne chance également à Royal FC pour cette nouvelle saison. Qui a déjà débuté même. Merci beaucoup.